Eh bien, salut tout le monde, c'est Tutonai, j'espère pour moi, je crois, et nous nous retrouvons enfin pour une vidéo très spéciale, comme je dis toujours, mais là c'est vraiment une vidéo très spéciale, c'est la vidéo FAQ, la vidéo où je vais enfin répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées durant la vidéo. Donc merci à tous, j'atteins les 24 likes sur ma vidéo parce que j'avais demandé 20 likes pour voir si au moins ça plaît. Je les ai eu depuis très longtemps maintenant, mais j'attendais encore quelques questions et je voulais bien préparer cette FAQ. Donc merci à tous pour toutes vos questions. Donc voilà, je vais toutes y répondre durant cette vidéo. Je vais juste vous plonger dans le bain du gameplay, j'ai envie de vous dire. Donc le premier gameplay, parce qu'il y aura deux gameplays, sera basé sur Call of Duty Modern Warfare 3. Je joue avec la PM9 silencieuse comme arme secondaire. Je joue avec la MP9 silencieuse, deux armes qui se ressemblent du prénom, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je jouais comme atout avec conditions extrêmes, bonne gâchette et visée solide pro. Donc voilà. Et je jouais comme killstreak avec le drone, missile predator et hélico asset. Donc à la fin de la vidéo, je vais reparler un petit peu des deux gameplays et de pourquoi je joue avec ci, avec ça tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par la première question de Darganor. C'est un abonné qui me suivait depuis très longtemps, donc petite dédicace à toi. Alors, première question. Je voulais savoir pourquoi tu avais arrêté ton autre chaîne d'Animaniac et pourquoi tu te donnes, pourquoi tu t'appelles comme ça. Donc, je vais répondre à des questions, merci de ta participation. Alors, pourquoi j'ai arrêté mon ancienne chaîne d'Animaniac? Donc, vous pouvez y faire un tour si vous voulez voir comment je commentais avant, etc. Donc, pourquoi j'ai arrêté? Et je vous dis à tous les abonnés de Le Bon Point du Geek, merci à vous. Et de Communauté Française de Tutoriel, merci à vous de m'avoir uploadé aussi. Je vous dis à tous mes abonnés, à tous nouveaux abonnés, que j'avais une ancienne chaîne d'Animaniac que j'ai arrêté parce que j'étais trop inactif sur ma chaîne. Mes abonnés étaient trop inactifs, ils me laissaient pas assez de commentaires, je trouve. Et j'avais vraiment une baisse de motivation parce que j'étais parti en voyage et dès que je suis revenu, bah, il y avait plus personne qui était là pour suivre mes vidéos. Donc j'avais vraiment une baisse de morale pour mes vidéos, tout simplement. Voilà pourquoi j'avais arrêté. Et maintenant, bah, je reprends des vidéos avec de la bonne humeur, etc. Donc voilà, tout simplement. Merci de ta question, Darganor. Ensuite, deuxième question. Warfix, GFX, pourrais-tu nous faire une liste de tous les jeux que tu as? Donc désolé, je peux pas te faire une liste de tous les jeux que j'ai non plus, mais je pourrais te dire sur Steam quels jeux j'ai, etc. Donc j'ai plusieurs jeux de style aventure, de style... bah, FPS, etc. J'ai vraiment plusieurs styles, je suis vraiment un joueur diversifié. Je reste jamais souvent sur le même jeu et j'essaie de toujours découvrir de nouveaux jeux et de vous les faire découvrir, tout simplement. Voilà, deuxième question, enfin suivante. Donc pour la prochaine FAQ, là c'est moi qui me dis ça. Donc pour la prochaine FAQ, parce que je ferai une autre FAQ, peut-être pour les 1000 abonnés, qui sait. Donc je ferai une autre FAQ où vous-même vous allez me poser vos questions pour avoir un peu plus d'interactivité avec mes abonnés, parce que là c'est un petit peu moi qui parle tout seul, mais bon, bah, je voulais pas faire participer tous mes abonnés parce que ouais, la plupart sont en vacances. Donc voilà. Alors, question suivante de Mass Effect 435 qui me suit aussi lui depuis très longtemps. Merci à toi, ça fait vraiment super plaisir de voir que mes anciens abonnés sont toujours actifs. J'adore tes vidéos, merci, et je prends exemple sur toi, ce qui m'amène à te demander ton pseudo sur le PSN. Donc sur le PSN, bah mon pseudo je peux pas te le donner vu que je joue très rarement sur PlayStation 3, mais si j'arrive à avoir Black Ops 2 sur Play 3, je vous donnerai à tous mon pseudo PSN pour jouer avec mes abonnés sur Play 3. Donc désolé pour mes abonnés sur Xbox, mais j'en ai pas. Et voilà, de toute façon, je privilégie tous mes abonnés sur PC parce que ma chaîne est basée principalement sur le PC. Donc voilà, et il me demande aussi une autre question. Et le logiciel que tu utilises pour capturer ton écran? Donc pour l'écran de mon bureau, j'utilise Camtasia Studio 7. Et pour l'écran de mes jeux vidéo comme Call of Duty, j'utilise Fraps ou Dextery. Donc je te mettrai dans la description les deux liens de ces logiciels, tout simplement. Donc une autre question de Warfix et GFX, quelles sont tes séries qui vont arriver? Donc mes séries qui vont arriver, bah, il y a Minecraft qui va enfin arriver et les free-to-play, parce que l'emploi du geek m'ont rapporté des abonnés qui me suivaient pour les free-to-play pour des jeux diversifiés. Donc voilà, merci de ta question. Question de Wesley du 06, t'as une petite amie? Bah je vais pas répondre à cette question parce que c'est une question
inutile et hors sujet tout simplement. Et personnel, merci. Si je parlais à ma cousine parce qu'elle m'avait dit que c'est personnel, ouais, j'avoue. Donc, slash du 404 qui m'a posé, enfin il m'a pas posé une question, il m'a donné une suggestion. Il m'a demandé, mec, tu devrais faire ta FAQ sur Twitch TV ou en live. C'était une bonne idée, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'abonnés actifs et qui suivent mes vidéos pour que je fasse des lives avec si peu d'abonnés, je trouve, même si je suis bien content de mes 200 abonnés. Donc voilà, merci quand même de ta suggestion. Donc, l'autre question de Exotic GP, un très bon youtubeur qui fait des vidéos sur Call of Duty et sur d'autres jeux. Allez voir sa chaîne au passage. Donc, salut, je voudrais savoir quel genre de musique tu écoutais. Est-ce que tu écoutes du rock, etc. Et quel groupe de musique tu aimes bien? Donc, j'aime bien comme groupe de musique Indochine, comme ça. Et j'aime bien bah, le rock et le zouk, deux styles de musique très différents, mais de styles de musique qui me conviennent tout simplement. Donc, voilà. Je pourrais vous mettre quelques musiques en fond ou dans la description pour que vous écoutiez un petit peu mon style. Donc, voilà, question de Trillzizex. As-tu une team? Si oui, comment s'appelle-t-elle? Déjà, t'es dans ma team, toi, alors question qui est un peu bête, mais ma team, ça s'appelle la D-Track, et pour l'instant, on est basé sur MW2 PC, mais comme il y en a plein qui sont partis en vacances, pour l'instant, bah, la chaîne de la team et la team, bah, elle est en pause, tout simplement. Donc voilà, question de Shocox22, bah, il me dit joyeux anniversaire, merci à toi, parce que la vidéo était postée le jour de mon anniversaire. Donc il me demande, feras-tu un concours Minecraft pour avoir un compte Minecraft Premium? Donc bah non, je ferai pas de concours parce que j'ai pas d'argent à dépenser pour faire des concours, parce que les concours, je trouve que c'est inutile et ça rapporte plus d'abonnés inactifs qu'autre chose. Mais si un jour je fais un concours, c'est que pour mes abonnés qui me suivent tout simplement. Merci quand même de ta question. Donc question suivante de Joe6791. Donc merci à toi Joe de me suivre depuis Dynamite, hein. Ça fait vraiment super plaisir de voir qu'il y a encore des abonnés qui sont toujours là, même après mon départ de mon ancienne chaîne. Donc, feras-tu un face commentary? Donc, peut-être qu'un jour je ferai un face commentary, mais c'est pas pour tout de suite, peut-être aux 1000 abonnés. Mais bon, voir ma tête, c'est pas un truc de ouf, j'ai envie de vous dire. Hein. Je suis pas beau gosse non plus. Donc, voilà. Question suivante, pourquoi as-tu abandonné Minecraft? J'ai pas abandonné Minecraft. Je ferai la prochaine vidéo, ça sera le début de mon aventure sur Minecraft. Donc voilà. Et ensuite, feras-tu des lives sur Twitch TV? Donc je réponds, peut-être que je ferai des lives sur Twitch TV, mais pas maintenant parce que j'ai pas assez d'abonnés pour qu'ils suivent mes lives. Parce que si c'est pour avoir 10-20 abonnés qui suivent mes lives, c'est pas la peine, je trouve. C'est vraiment très inutile. Donc voilà. Ensuite, une question de joueur de France. Un jour, rejoueras-tu avec moi? Ça, c'est une question privée, mais bon, oui. Je rejouerai avant toi, bien sûr, alors que tu as ton nouveau PC, que tu aies ton nouveau PC pour rejouer avec toi sur MW2. Si vous voulez m'ajouter pour jouer avec moi sur MW2, ajoutez-moi sur Skype. Donc j'ai un Skype abonné et un Skype officiel, mais bon, je vais vous donner les deux. Donc j'ai YouTube Tutodani, ça c'est mon Skype abonné, et mon Skype officiel, bah, c'est Tutodani. Donc pour me parler et pour jouer avec moi, ajoutez-moi sur ces deux Skype. Donc voilà. Ensuite, une question de Zouzou Dylan. Les personnages de la vidéo et de mon background viennent-ils de Show Me Hawk TV? Donc oui, ça vient de Show Me Hawk TV, ces personnages que j'ai créés. Donc si vous voulez créer les mêmes personnages, allez sur sa chaîne, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, au passage, j'espère que mon background vous plaît. Question de CocoBalls20. Tuto, bonne année, merci. Une question, feras-tu des let's play tels que Skyrim, Amnesia ou Limbo, etc. Donc peut-être que je ferai des vidéos let's play sur ces jeux, mais je préfère faire des vidéos plus découvertes des jeux pour faire découvrir plusieurs jeux en une seule vidéo que de faire un let's play qui va ne vous faire découvrir qu'un seul jeu et qui va prendre beaucoup de temps et que ça pourrait être ennuyant tout simplement. Donc voilà. Alors une question de The Spirit ou The Spirit. Salut mec, est-ce que tu as déjà joué à Amnesia? Sinon, pourrais-tu y jouer? Oui, j'ai déjà joué à Amnesia, je l'ai même acheté, mais c'est pas vraiment un jeu qui me branche trop, c'est plus un jeu d'horreur, ça me branche pas vraiment plus que ça, mais bon. Donc le premier gameplay arrive à sa fin, nous allons bientôt entrer dans le deuxième gameplay qui va se dérouler au mini-usine. Donc voilà. Alors, je vais continuer les questions. The Hardy, W2, WWE,
34, c'est quoi ta première console? Donc ma première console c'est la PlayStation 1. J'ai que 14 ans mec, hein. Donc voilà, je peux pas avoir des milliards de consoles qui datent. Donc ça répond à ma question que Snipe Cop m'a posée. Bah j'ai 14 ans tout simplement. Donc voilà, Tuto Minecraftien qui me dit 20ème j'aime by me, ok merci. En fait j'avais demandé 20 likes pour sortir cette fichue vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions. Et j'avais déjà atteint les likes depuis longtemps, mais je voulais préparer cette vidéo vraiment bien préparée. Donc question de Zitesh FR, donc un ami à moi et un abonné avec qui je joue assez souvent sur Steam. Petite dédicace à toi, petite dédicace aussi à Black Reaper. C'est vraiment un pote et un abonné avec qui j'ai découvert. Je l'ai découvert, il m'a découvert tout simplement. Et maintenant on joue vraiment très souvent ensemble. Donc je vais présenter ma classe. Je joue avec la Mini Uzi silencieuse ou le Mini Uzi n'importe. Avec le Space 12 silencieux en arme secondaire. Comme à tout, je joue avec Marathon Pro pour courir assez vite et bien rocher. Et pour monter, grimper aux bas éléments du décor plus rapidement. Et pour contourner les ennemis beaucoup plus rapidement. Comme deuxième atout, Force d'opposition Pro, un atout presque indispensable, je dirais même, sur ce Call of Duty Modern Warfare 2. Et enfin, je jouais avec comme dernier atout, Visée Solide Pro, un atout aussi presque indispensable. Donc voilà. Alors, Zitesh FR m'avait posé comme question, t'as quoi comme ordi, avec quelle configuration? Donc je pourrais pas te donner ma configuration parce que je la connais pas, mais je pourrais te dire que j'ai un ordi moyen, on va dire, c'est pas un ordi de compète non plus, mais c'est un ordi qui peut faire tourner des jeux et qui peut filmer avec une qualité normale mais pas optimale non plus. En parlant de qualité, je voulais dire que j'ai fait sur les deux gameplays une assez belle color correction. Dites-moi vos avis sur cette color correction. À l'avenir, si ça vous plaît, je vous donnerai les configurations de Sony Vegas, mais si ça ne vous plaît pas, j'en ferai plus tout simplement, je toucherai plus au jeu. Donc voilà. Ensuite, comment tu montes tes vidéos? Donc je monte mes vidéos avec Sony Vegas Pro. Es-tu le fils de Chuck Norris? non, parce que Chuck Norris, je le connais pas dans la vraie vie, j'aime te dire. Donc, une autre question de toi encore. Ton serveur Minecraft peut contenir combien de places? Je n'en ai pas encore parce que je l'ai supprimé, mais si j'en recrée un, parce que j'en recrée un pour le Canobi, il pourra contenir pas mal de places pour tous mes abonnés. Ce qui joue à Minecraft, bien sûr. Donc voilà. Question de The Pyroman 78, un abonné très fidèle en gros qui me suit très régulièrement. Donc quel est ton premier Call of Duty? Alors mon premier Call of Duty, je te dirais que ce sera MW2, je pense, parce qu'il y a vraiment pas mal de Call of Duty que j'ai essayé, mais bon. Et quelle est ton arme favorite tout Call of Duty confondu? Je pense que ça serait l'AK-47, parce que l'AK-47 c'est vraiment une arme que je joue vraiment beaucoup avec. Sur Quad 4 c'est mon kiff, sur MW2 aussi, et sur MW3 un peu moins, mais c'est vraiment une arme aussi que j'aime bien. Sur Black Ops j'ai jamais eu l'occasion de la tester, mais c'est vraiment, je pense, mon arme favorite que je joue très régulièrement avec. Petite dédicace à toi Mac, qui m'avait posé une question ou qui voulait jouer avec moi. Désolé, je pouvais pas te répondre parce que j'étais à fond dans mon gameplay pour proposer quand même un assez bon gameplay pour mes abonnés, j'ai envie de dire. Donc voilà, et je pense qu'on va passer à la dernière question qui est de Rito8. Donc il me dit, pourquoi as-tu fait des vidéos sur YouTube? Alors, déjà pourquoi sur YouTube? Parce que c'est une des meilleures plateformes et plus facile pour poster ces vidéos, alors que Dailymotion, on a vraiment beaucoup moins d'avis sur nos vidéos, etc. Ensuite, pourquoi j'ai fait des vidéos? En fait, comme tout le monde, j'ai regardé des vidéos, mais moi j'ai connu YouTube depuis très longtemps, donc j'aurais pu avoir, je sais pas, 50 000 abonnés et tout, mais avant je faisais des vidéos, mais je mettais des clips, je commentais à la va-vite et tout. Et là, depuis un certain temps maintenant, je fais des vidéos un peu plus sérieusement et pour le fun et pour faire découvrir ma passion des jeux vidéo comme la plupart des gens. Quels sont tes prochains objectifs? Alors mes objectifs, c'est... sans être prétentieux, j'ai envie de vous dire, c'est avoir des 1000 abonnés, pourquoi pas, ça serait vraiment super sympa pour prouver à tout le monde que je peux avoir des 1000 abonnés. Donc voilà. Et pour avoir aussi un partenariat YouTube, pour avoir juste la bannière et les miniatures, c'est pas bon pour avoir du fric, parce que le fric, je m'en moque, hein. C'est vraiment pour avoir la bannière, parce que ça rend vraiment la chaîne beaucoup plus stylée, je trouve. Ensuite,
c'est quand tu vas arrêter de faire des fautes d'orthographe? Jamais, parce que faire des fautes d'orthographe, c'est les aléas de la vie, j'ai envie de te dire, tout simplement. Et veux-tu m'épouser? Non, parce que je suis pas gay, tout simplement, et j'ai pas envie de t'épouser. Et enfin, dernière question, que préfères-tu entre Fraps et Dextory? Je préfère Fraps pour les jeux comme Call of Duty, et Dextory pour le mode studio, etc. parce que ça prend vraiment beaucoup plus de ressources, mais une plus belle qualité. Donc voilà. Donc j'ai fini de répondre à toutes mes questions. Merci à tous et à toutes d'avoir posé des questions durant cette vidéo, parce que bah voilà, j'ai réussi à commenter tout le gameplay, toute la vidéo. Donc on va finir sur la présentation des gameplays, etc. Donc pourquoi j'ai voulu jouer avec la mini Uzi et la MP9, enfin la PM9, excusez-moi, parce que c'est deux armes qui me correspondent bien, qui sont pas une très grande portée, où il faut jouer assez intelligemment et bien contourner les ennemis comme un fusil à pompe, parce qu'il faut rester au corps à corps, parce que à longue distance ils ne valent rien. Donc voilà, c'est vraiment des armes qui me ressemblent. Et dites-moi ce que vous en pensez de ces deux armes, et dites-moi si elles se ressemblent entre elles. Moi je trouve vraiment que ces deux armes qui ont été créées, je pense, en se recopiant l'une et l'autre, on va dire, parce que elles se valent toutes les deux, mais je préfère quand même le mini Uzi de Call of Duty 4 et de MW2, parce que la PM9 est un petit peu moins belle, je trouve, pour ma part. Mais bon, après ça, c'est qu'un avis personnel. Donc merci tout le monde pour toutes les questions. Pourquoi j'ai mis autant de temps pour faire la FAQ? Parce que je voulais préparer ça assez correctement. Moi je vous dis à plus tout le monde pour une prochaine vidéo sur Minecraft, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer cette petite vidéo. Bye tout le monde. Eh, ne pars pas, reste ici. Donc si tu as loupé ma dernière vidéo, va la voir, clique sur la vidéo. Et si tu veux me suivre, abonne-toi. Je ne t'oblige à rien, mais bon, abonne-toi quand même si tu veux me suivre. Et partage la vidéo, ça me fera vraiment super plaisir. Allez, à plus.